Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Aventure Capitaliste, c'est MM Simulator. Donc, c'est un petit jeu que j'aime bien, qui est sympa à jouer vite fait, on va dire. Donc, c'est pour ça que je vais vous faire une petite vidéo. Attendez quelques secondes. Parce qu'en gros, j'aime bien, j'ai un clavier que j'adore. En gros, il fait pas mal de choses. Je peux mettre. Ok, je fais quoi là? J'ai le clavier qui a bugué. Ok. En gros, j'ai le clavier voilà, qui me met. En gros, qui peut me servir de chronomètre, de compte à rebours, etc., etc. Donc, de toute façon, je sais que je vais pas faire une longue vidéo. Mais bon, pas grave. Je vous ferai peut-être un petit setup plus tard. Peut-être pour ma 200e vidéo et tout ça. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà une partie très très avancée. Hein, mais je l'ai déjà recommencé plusieurs fois parce que j'en avais besoin, plus ou moins. Parce qu'en gros, c'est un jeu où faut recommencer les parties pour pouvoir que ça devienne très intéressant. Et donc voilà. Donc, je vais vous présenter vite fait. Donc, là, on a un système d'ange. Donc, ce qui fait que dès qu'on recommence et qu'on a pas mal d'argent, on commence à avoir des anges. Et après, plus on recommence, plus ça va aller vite, plus on va avoir d'anges, etc. Ainsi de suite. Donc, je sais pas. Voilà. Si vous connaissez ce jeu-là, il est gratuit, il est sur Steam. Il n'y a aucun besoin de. Il est aussi sur téléphone. Donc, non. Excusez-moi. Il est aussi sur Android. Je suppose Android, hein. Je sais qu'il est sur iPhone, Android je sais pas. Sur PC il y est, en gros c'est un portage de téléphone. Mais franchement ils l'ont plutôt bien adapté. Donc voilà, avec les anges on peut acheter des améliorations. Plutôt pas mal, si même moi je trouve que c'est pas vraiment une amélioration. Après on peut payer des multiplicateurs de profit. Voilà. Et même, moi je crois que je l'ai déjà pris. En gros, multiplier le pourcentage, avoir 1% de plus d'ange, en gros, pour gagner plus d'ange plus vite. Donc, voilà, on peut faire vraiment pas mal de choses. Donc là, on a à combien on va gagner la prochaine fois. Parce qu'en gros, à chaque. En gros, on a des paliers, et à chaque palier, on gagne. En gros, ça raccourcit le temps où on gagne de l'argent. Donc, en sachant que, comme vous voyez, on a le temps qui nous donne pour nous dire, voilà, dans tant de temps, vous aurez les sous qui est marqué là-dedans. Donc, c'est-à-dire 53 trillions machin, ou là, 200 machin chose par seconde. C'est pas pareil qu'ici, où on va avoir 12 billions tout le temps, constamment. Tac, 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 tac. En gros, ça revient tout le temps. Comme vous voyez, on a la barre qui se remplit et c'est la durée du truc plus ou moins. Donc voilà. Après, bon, bah celui-là, c'est le plus difficile à avoir, comme vous pouvez vous en douter, l'huile là. Donc voilà, c'est vraiment sympathique. Celui-là, je l'ai connu parce que j'ai vu une vidéo sur internet et ça m'avait plu. Donc aussi, on a ceci. Ceci, en gros, ça c'est tout récent, ils l'ont fait il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça. En gros, on peut aller soit sur la Lune, soit sur Mars. Mais pour ça, il faut vraiment avoir beaucoup d'argent. Donc avoir recommencé déjà beaucoup le jeu. Pour avoir un décillion. Voilà. Donc, voilà, c'est vraiment. Franchement, il y a. Et là aussi, je vous ai pas montré ça. On voit tout ce qu'on a débloqué. Donc, comme vous voyez, au début, on va de 25 en 25. On loupe le 75, mais bon, c'est pas très grave. Donc, on double plus ou moins, on va dire. À part, donc, on peut déjà quand même aller assez loin. Hein, jusqu'à 10 000, normalement, on doit pouvoir aller. Et comme vous voyez, les journaux, c'est un peu plus complexe. C'est tous les 25, par contre. À part les premiers où on oublie de 75 aussi. Donc, tous les 25. Et ça va aussi, je pense, jusqu'à 10 000. Parce qu'en gros j'ai. Non, on va jusqu'à 5400, c'est déjà pas mal. Mais bon, avant d'arriver à 5400, faut faire quand même. Donc voilà, c'est vraiment un jeu que j'apprécie énormément. J'ai vraiment. Ouais, en gros, il y en a qu'un qui va jusqu'à 10 000 en fait. Ouais. Ok, j'ai compris.
5700. Ah ouais, en gros, ils diminuent chacun. Non, non, machin. Ouais. Ok. Ah, lui, il va jusqu'à 6000. Ok. Bah, ça fait un peu bizarre. Parce que... Ouais, bah, j'ai pas regardé ça. Ouais, non, en gros, c'est un peu bizarre. Donc là, on a vraiment tout. Et aussi, par exemple, si on va tout à 300, on obtient un bonus qui réduit tout de moitié. En gros, il y a le temps de moitié de partout. Donc, pour vous dire que c'est vraiment très sympathique. Et puis aussi, on a ceci. Donc, par exemple, je vais montrer. En gros, quand celui-là, il arrivera, je pense, vers 300, qui passera au palier au-dessus, il va faire comme les donuts, la pizza, le lavage de voiture et le journaliste et le bar à limonade. Et il va passer comme ça, il va voilà, monter. Donc, je vous ai montré ce petit jeu. Donc, là, on a les managers. Parce que quand on arrive dans le jeu, bien sûr, ça se fait pas automatiquement comme ça. En gros, on doit cliquer ici pour pouvoir accélérer, pour enclencher la vente de la limonade ou du journal et tout. Et après, faut aller acheter des managers. Donc voilà, des trucs tout con, hein. Faut aller acheter des managers pour pouvoir que ça se fasse en boucle. Voilà. Après, là, on a des multiplicateurs de profit. Donc, voilà, je pense que vous aviez compris, je vous l'ai déjà plus ou moins expliqué. Donc aussi, on a des multiplicateurs de profit avec des anges. Donc, c'est tout con aussi, hein. Voilà. C'est bizarre cette histoire. Donc voilà. Après, on a aussi avec un système des améliorations avec un système de avec un système d'or qui s'achète avec du vrai argent en gros. Donc vous pouvez aussi faire un petit échange ici, non, pas là. Ici, c'est autre chose, c'est aussi des investissements bizarres. Donc ici, on peut faire un échange en fait entre des cillions et des méga dollars ou des je sais pas trop quoi. En gros, quand on fait cet échange, c'est pour pouvoir après acheter des méga tickets. Comme vous voyez là, on peut en prendre 10 et là 90. Pour 10 méga tickets et 10 machins, voilà. En bref, c'est ça. Mais pour ça, faut avoir un décillion. Et j'en suis encore plus ou moins loin parce que, en gros, j'arrive à peine au quintillion. Donc, comme vous voyez, je suis un peu raide, hein. Donc voilà. Mais le but, c'est que ça augmente et le plus vite possible. Voilà. Donc, plus vous allez recommencer, plus ça va aller vite. Et en gros, c'est un jeu comme ça, tout bête. Donc, voilà. Moi, je vous ai montré ce jeu. J'espère qu'il vous a plu. Là, je vais me remettre vraiment. J'ai envie vraiment de me remettre dans les vidéos. Mais en ce moment, c'est un peu dur pour moi. Parce que je suis pas vraiment dans la possibilité de faire des vidéos. Donc là, je me lâche. Je vais en faire 3 ou 4 d'affilée. Je vous les montrerai. Et je vous les mettrai sur YouTube. Voilà. T'es doux. Il n'y a pas de souci. Donc là, c'est plutôt un jeu de gestion. On va dire. Plus ou moins. Parce que par contre, l'avantage aussi je vous ai pas parlé de tous les avantages parce qu'il a pas mal d'avantages. En gros, déjà d'une, il tourne plus ou moins. En gros, il va calculer la quantité d'argent que vous allez gagner pendant que vous serez pas dessus. Donc, c'est-à-dire que vous partez une journée, il va vous calculer la quantité d'argent que vous allez gagner tant que vous n'étiez pas là. Et après, il va vous donner l'argent, bien sûr. Et aussi, il y a un autre avantage, c'est que si vous le prenez sur Steam, parce qu'il est peut-être aussi sur Microsoft, le store là, Microsoft Store, il est peut-être aussi, j'en sais pas. Je suis pas allé y regarder, voilà. Je sais, ouais, je suis un peu dans mes propos, dans mes mots. Mais il y est peut-être aussi. Mais l'avantage qu'il y a de le prendre sur Steam, c'est que si par exemple vous avez le jeu sur un PC fixe. Et puis que vous partez, je sais pas, en vacances sur un PC avec un PC portable. Si vous jouez sur le PC fixe avec un portable, putain, qu'est-ce que je dis comme connerie? Si vous jouez sur un PC fixe
avec Steam et tout, vous allez pouvoir jouer sur un PC portable à la même partie. En gros, vous allez pouvoir reprendre votre partie là où vous en étiez. En gros, il est compatible avec le cloud de Steam. Voilà. En gros, c'est ça que j'aime bien. Je trouve ça très sympa. Et j'espère que vous allez trouver très sympa. Moi, je l'ai trouvé très sympa ce jeu. Vraiment, au début, vous allez peut-être trouver ça très lent. Parce que c'est vrai que vous allez peut-être pas monter. C'est même très certainement pas monter comme ça. Faut avoir. Moi, en fait, ce que j'ai fait, j'ai eu 10 anges. J'ai recommencé. J'ai eu 100 anges. J'ai recommencé. J'ai eu 1000 anges. J'ai recommencé. Et j'ai eu 10 000 anges. J'ai recommencé. Et là, j'attends d'avoir les 100 000. Et après, je recommencerai encore une fois pour pouvoir vraiment améliorer un maximum tout ce que je peux. Et que ça aille encore plus vite. Parce que là, en gros, ça fait une semaine et demie que j'ai recommencé. Et comme vous voyez, ça va plutôt vite pour l'instant. Mais après, ça ira encore plus vite. Voilà. En gros, c'est un jeu, plus tu recommences, plus tu vas vite. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous de passer un bon moment. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. C'était NM Simulator, donc moi je vous dis à la prochaine, ciao!